Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Sons of the Forest. J'aimerais bien faire cuire la tortue que je viens de fumer à l'instant, merci beaucoup. Alors je vous reprends à l'instant, j'essaye de trouver des techniques pour ne pas mourir, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'entendais de la musique ici sur le bord de la plage, du coup je me suis dit je vais vous reprendre maintenant pour voir. Et ça vient de là. Tout à fait. Alors j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà, merci beaucoup. Oh merde! Oh non, oh non mon ref. Je sais pas c'est qui, j'ai récupéré un pistolet. C'était mon collègue, voilà. C'était pas... C'est le copain avec Kelvin qui était avec nous. On vient de récupérer un pistolet là. J'ai une boisson énergétique, très bien. J'ai récupéré un pistolet, j'ai pas rêvé. J'ai totalement rêvé, je n'ai pas de pistolet. J'ai cru que j'avais récupéré un pistolet, comment ça? Je n'ai pas récupéré de pistolet. Bon, on va... Oh, je suis déçu, je suis triste. Par contre, au moins, on a plein de ressources, là. On a plein de ressources. On a une nouvelle bâche. Oh! On a une nouvelle bâche! Ça veut dire qu'on peut faire... on peut avoir plusieurs bâches. Superbe! D'accord! Ah, bah, ça change pas mal de choses. Alors, j'ai faim, donc je vais manger. Et alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que je suis fatigué, je dors. Et donc, quand je dors, j'ai faim. Bref, c'est compliqué, en fait, hein. Là, on est sur le troisième jour, je crois, ou le quatrième, même, déjà. Ah, c'était pas assez cuit. Oui, bah abuse pas frérot. C'est bon, abuse pas. Ça va bien se passer. Bon, donc là j'ai soif, je vais pas me prendre la tête. Je vais boire une boisson énergétique. Ça va me donner tout ce qu'il faut, je pense. Oh, même le sommeil, d'accord, très bien. Bon, bah, bon, ça c'est fait. Au moins je suis tranquille, bon. Ouais, donc j'ai plus de viande. Aïe, 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 aïe. Un peu d'argent. Ah, y a encore des trucs à récupérer. Eh, faut pas passer à côté, hein. Faut faire attention mine de rien. Bon, par contre ça je suis triste pour lui. Ça je vous le dis. Ça je vous le dis. Bon, je vais reprendre ma hache. Est-ce qu'on a une petite tortue qui arrive là? Eh non, ça se fait rare, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'elles se font rares parce que depuis le début je n'ai eu que 3 tortues. Alors le feu c'est bien, comme ça on sera bien cramé. Attendez, je peux peut-être essayer de me refaire la mouette là. Attendez. Oh non, j'ai compris la puissance de frappe qu'il faut. Ouais, c'est complètement débile. Complètement aléatoire. Pas de tortue. Donc pas de nourriture. Oh, une corde. Allez, j'y vais. Ok, j'ai réussi, j'ai des plumes. Nickel, je l'ai planté, ok, avec le couteau et je récupère la viande, ok c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Ok, donc déjà, messieurs, dames, je vais pouvoir crafter, j'imagine, des flèches. Avec, je mets les plumes là, regardez. Je pense que c'est le même craft que dans The Forest, hein. Ah bah il me manque quelques plumes, il en faut. Flèches. Ah non, il faut des petites pierres encore, attendez, bougez pas. Des petites pierres, où c'est que j'ai des petites pierres? Ah, là ici. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Ok, nice. C'est très très bon ça. On a des flèches. On a un arc. On peut se faire plaisir. Est-ce que j'ai récupéré de la viande? C'est ça la question. Parce qu'en vrai, ça se trouve ça me donne même pas de nourriture. Pas de conneries là. Alors là j'ai des petites myrtilles pas bonnes. Je vais les manger, je m'en fous. Au pire ça m'enlève de la santé mais il faut manger, hein. À un moment donné... Voilà. Ça c'est cool. Bon, y'a pas une petite tortue là, sans déconner? Alors je suis assez curieux, on ira voir le petit radeau bleu, le petit radeau rouge là-bas. Enfin le... Je pense qu'il doit y avoir des petits outils à l'intérieur. Mais là déjà on va s'occuper un petit peu de notre construction. Là-bas y'a une mouette. Là-bas y'a une mouette. Je m'en occupe illico presto. Regardez bien, ça va être très joli. Maintenant. Allez, très bien. Ça c'est fait. Ok, en plus il passe à travers la roche. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Je ne sais pas. Kelvin continue de travailler. Ok, ça fait un petit stock de rondins par ici. C'est ça ce qui est pas mal. Je pense qu'on s'est vraiment bien installé ici. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi je pense qu'on est bien installé. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette série vous plaît. J'espère que le jeu vous hype. On est quand même... Alors, je me répète beaucoup parce que je tourne les vidéos à la suite et que je suis vraiment excité. Je suis dans l'euphorie, je suis dans la nuit de la sortie du jeu, tu vois. Mais on est vraiment sur la qualité au-dessus, quoi. C'est vraiment... franchement,
Je vais être très honnête avec vous. Je m'attendais peut-être pas à aussi bien en fait. Pour être très transparent. Par contre cet arbre il est terrible hein. Là il faudrait arrêter de se foutre de ma gueule hein. Pour de vrai hein. Ça va, ça... Je vais me fâcher voilà. Je vais me fâcher. Mais je m'attendais pas à aussi bien pour être vraiment honnête. Je me suis dit. Alors soit que ça allait être comme The Forest. Et dans ce cas là tant mieux. Ou soit qu'ils fassent un peu comme The Forest mais que ce soit moins bien quoi. Carrément je me suis dit ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Et en fait bah là je pense qu'il n'y a pas de doute hein. C'est mieux que The Forest. Alors c'est bien les bûches qui sont en haut. Kelvin il les récupère et ça c'est parfait. C'est juste parfait. Comme ça il me les ramène en bas. Moi j'ai pas besoin de monter là haut et c'est vraiment superbe. En plus ça fait une belle image. Bon là tout à l'heure en off je le voyais en haut de ces rochers en train de ramener les bûches. C'était juste magnifique l'image. Hop. Là il y a des rondins qui tombent. Donc c'est parfait. J'ai juste à les attendre. Non. Ok. C'est pas grave. Oh. Salut. Est-ce que je peux pas t'utiliser toi? Non je peux pas t'utiliser. C'est dommage. Mais oh. Ouais j'ai pris des dégâts en plus. Salopard va. Oh il s'excuse. Non c'est trop bien fait. Il s'est excusé. Pour de vrai. Alors comment on fait des rondins? Je pense que ça se fait tout seul. Pas des rondins, tu m'as compris. Putain, il m'a blessé le salaud. Il m'a jeté à la figure les bûches. Sans deck. Ok, nickel. Bon les amis, j'ai trouvé une petite strat. Juste au niveau de la nourriture, je suis pas trop bien. Mais au niveau de l'eau, j'ai trouvé la strat. Donc là, je viens de dormir. Et d'entamer. Et mince, il y a un méchant. En gros, j'ai mis une nouvelle bâche ici, à côté de la source d'eau. Me permettant, je croyais, d'être tranquille. Pour pouvoir dormir, puis boire. Et peut-être manger. Le problème c'est que du coup je me suis fait cramer. Et j'aurais peut-être pas dû. Parce que jusqu'à présent on était tranquille. Bref donc. Oh oui là ils sont deux. Aïe aïe aïe. Bon bref donc là vous voyez en bas à droite mes voyants ils sont vraiment nickel. Juste la nourriture. Ce qui est un petit peu terrible. Mais sinon à part ça au moins ça m'a permis de boire et de me reposer. Enfin de me reposer puis de boire. Mais là le problème c'est que je vais attirer les vilains Je vais attirer les vilains vers ici. Alors on dit les vilains parce qu'on sait qu'ils sont vilains. Mais c'est vrai que ça se trouve là ils nous attaquent pas. Donc ça se trouve on peut collaborer avec eux. Je ne sais pas. Nous on est là pour retrouver des milliardaires. Alors là on est surtout là pour survivre. Parce que on s'est crashé pour je ne sais quelle raison. On peut souligner le fait que quelqu'un nous a matraqué la figure à notre réveil. Chose qui n'est pas normale. Normalement. Ah mais attendez mais j'ai encore un poulet sur le feu là je crois. Ah mais à mon avis il doit être tout carbonisé hein. Ah. Eh ben il a disparu. Bah c'est super. C'est super. C'est pas comme ça que j'imaginais la vie. Alors est-ce qu'on peut mourir de faim? Franchement faudrait peut-être pas exagérer. Moi je sais qu'on peut survivre. On peut pas survivre plus de je sais pas combien de jours si on boit pas. C'est-à-dire que boire c'est le plus important. Manger c'est pas très grave. On n'a pas besoin de manger. On peut survivre sans manger pendant un bon moment. Tant que... Ah! Pardon! Oh purée! Bonjour! Gentil! 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 Gentil? Kelvin? Ah Kelvin il vient à ma rescousse. Gentil! T'as vu, il m'attaque pas directement. Ah non, ça tu fais pas. Ah non, ça. Alors ça tu fais pas. Ok, il est déjà à terre, Kelvin. Eh, avec ton cul là. Non mais, par contre. Tu fais super mal. Allez, reste au sol. Oh purée. Oh, il fait peur. Reste au sol. Oh mon dieu. Eh ben, on est dans la merde. Là on est dans le mal les amis. Bon on va continuer, on va faire comme si de rien n'était. On va peut-être pas devenir cannibale hein. Parce que c'est vrai qu'on pourrait le manger hein. On pourrait le manger. Mais on va devenir fou très vite si on fait ça. Bon déjà notre maison regardez, elle va être terminée bientôt là. Hop et la maison est terminée d'ailleurs les amis hein. La maison est terminée dans 5. Oups. 4 3 2 1 Un et demi. Et la maison est terminée messieurs dames. On va juste enlever cette merde. Superbe. Ah bah très bien parfait voilà. On va fabriquer directement un étendoir. Enfin
Étendoir, est-ce que c'est vraiment le nom du coup? Je ne sais pas. Oh là là, on peut faire du coup une torche murale. Oh là là. On peut faire des bancs, des réserves, etc. Bon, ça, vous inquiétez pas, on s'en occupera. Alors, ça c'est cool, on peut choisir le sens de rotation, chose qu'on ne pouvait pas faire sur The Forest. Et là, normalement, je peux accrocher ma viande, bien sûr. Ok, superbe. Les animations, elles sont vraiment propres. Hein. Et là, au moins, on va se mettre bien. Bon, voilà notre maison. Est-ce que vous croyez que je peux... Oh oui. Ça marche. Ok, ça marche. Je peux faire plus grand peut-être. Oh, c'est magnifique. En haut là. C'est superbe. On est d'accord qu'on peut pas passer par la fenêtre. Ouais, c'est bon. Ça me semble pas mal. Ok, nickel. Bon, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être faire un petit lit. Bon, je pense que pour ça, lit en bois, oh là. Oh si, totalement. On peut faire un vrai lit parce que je pense qu'on sera bien mieux avec un vrai petit lit là, comme ça, tac, dans le coin là. Bon, la maison est petite, hein. Ah, c'est embêtant. On a plus de scotch, on a plus rien. Bon, t'as raison de te reposer toi, tu fais bien. Bon, je réfléchis. En fait, je serais bien tenté d'aller... on va aller voir le radeau là-bas. On va y aller. Mais d'abord, les amis. Il va falloir qu'on dorme. Il faut qu'on soit malin. Il faut qu'on dorme et qu'on mange après. D'ailleurs... Est-ce que... Attendez, qu'est-ce que je peux faire avec ça, par exemple? Déjà, je peux poser ça au sol. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok, je peux... Fendre en deux et ça fait un piqué. Ok, ni plus ni moins. Et avec ça, je peux récupérer. Et c'est réparé. D'accord. Pourquoi pas. Est-ce que c'est une sorte de piège? Peut-être. On fait des tests. Hein. D'accord. Là, on peut fendre en deux. Non, toujours, ça fait un piqué. Je sais pas du tout si ça fait un piège, en fait, mais... Mais très bien. Bon, soyons malins, parce que si je dors, je vais reprendre de l'énergie, je vais pouvoir manger, mais je vais pas pouvoir boire. Il est quelle heure? C'est ça la vraie question. Faut se fier à l'heure. Il est 10h. Ah oui, non, on va pas dormir. Bon, allez, on va aller dans l'eau, les gars. Il est l'heure d'aller dans l'eau. Il est l'heure de se mouiller. On va aller sur le petit... la bouée rouge là-bas. Et il y a un point d'exclamation vers là. Donc le point d'exclamation, ça doit pas être la bouée. On va voir. J'espère juste qu'il n'y aura pas de méchants requins, je sais pas quoi. Ça, ça m'angoisse. On va éviter de trop courir aussi pour perdre de l'énergie. Ce serait un petit peu débile. Allez, c'est parti pour nager. Ok, il y a des poissons déjà, ça c'est sympa. Ok. Allez. J'ai peur de ce qu'on va voir. Hein. Et on nage super vite par contre. Hein. Si un requin, je crie. Hein. Vraiment, hein. Voilà. Oh, j'ai cru voir un requin. Ok. Alors là, tous ceux qui sont thalassophobes, les amis, on est ensemble. Hein. Je suis pas thalassophobe, mais là, ça m'angoisse. Oh là là. N'hésitez pas à passer la vidéo. Non, mais je pense que c'est safe. Oh non. Ça, ça sent pas bon, ça. Allez, est-ce qu'on peut monter? Yes. Superbe. Un peu moins superbe mais... Ok. Oh. Oh putain. Non, c'est une blague. Ok. Y a un requin qui nous tourne autour. Bon, là je ne retournerai plus dans l'eau hein. Oh non. Oh l'angoisse. Allez, on a des fusées éclairantes, très bien. On a des palmes. On a à manger. Donc ça c'est chouette. J'aurais pas dû manger mais c'est pas grave. Va-t'en. Oh purée, regardez-moi ce requin. Il est magnifique. Il est magnifique. Comment je fais pour On peut pas nager? Enfin je veux dire, on peut pas ramer? Non. Je croyais qu'on pouvait ramer moi. Ah ouais, d'accord. Ah bah on est dans la merde.
On peut pas ramer. Bon, vous avez compris ce qui nous attend, les amis. Ça valait vachement le coup de venir ici. Une brosse à dents, très bien. Ça valait le coup. Oh, 3, 2, 1. Ah! J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais faire des cauchemars cette nuit, vous aussi peut-être. Ok, je sens qu'il est derrière moi. Je sais pas si ça va plus vite sous l'eau. Non. Allez, go, 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 on y va, on y croit. On y croit, on regarde pas derrière soi. Oh purée, les dents de la mer. Oh là là. Allez, trace ta race. Je me vengerai de toute façon. Je me vengerai. Je suis en train de perdre toute mon énergie. S'il te plaît, dis-moi que j'ai pied là. Oui, j'ai pied. Allez, 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 allez. Allez, allez, on a pied. Allez, allez. C'est bon, le requin, il va rien faire là. Il va rien faire, le requin, frère. Allez, 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 allez. Là, en vrai, le requin, il peut encore m'avoir là. Hein. Allez. C'est bon. Ouais, je pense que ça va plus vite sous l'eau. Hein. Bon, déjà, il y a des poissons partout. Oh, regardez les traces de l'eau. Non, c'est vraiment... Eh, hey, les détails sont impressionnants. Hein. Les détails sont impressionnants. Par contre, j'ai vu des poissons. Moi, je pense que là, il y a quand même possiblement moyen... Alors... Voilà. C'était un exemple, finalement. Parfait. Et de 1... Et... Oh ouais, c'est bon les gars, on a de la bouffe. On a carrément de la bouffe facilement là. Enfin facilement, c'est un grand mot mais c'est pas mal. Là en fait ce qu'il faudrait vraiment c'est de l'eau. Parce que la nourriture c'est cool. Maintenant on sait comment faire, on a tout ce qu'il faut vraiment. Là à tout moment on va avoir des tortues aussi. Mais il nous faut de l'eau. Et alors l'eau on l'a à côté mais... D'ailleurs normalement je peux... Voilà, ouvrir la map en faisant ça et il n'y a pas de, de cours d'eau plus proche que là où je suis, quoi. Enfin, que là où je pense. Eh, hey, j'avais pas vu les poissons, là. Bon, niveau nourriture, on est bon, j'insiste. Niveau boisson, on est un petit peu moins bon et ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin, là, on est bon, hein, mais dès qu'on va dormir, on va avoir soif, quoi. On va avoir soif au réveil. Est-ce que je peux demander à Calvin, peut-être, de me chercher de l'eau? Ça me paraît un peu curieux, mais... Là, il y a du vin, là. Faut pas récupérer... On peut pas récupérer la piquette, non? Bien dommage. Bien dommage. Est-ce que peut-être j'ai un... Est-ce qu'avec la conserve, je peux récupérer de l'eau, non? Ou on peut pas fabriquer... armure à feuilles. Génial. On peut pas fabriquer un récipient, genre? Ça, ce serait génial. Sac à dos. Oh, mais si, purée, on a un pistolet et une grenade. Oh! Lance-pierre, j'avais pas compris. Oh là là, c'est incroyable. Alors, on va équiper le pistolet, mais on va pas gâcher une balle. Oh là 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 là. Oh, c'est mortel. C'est mortel. On va pas gâcher une balle, hein, par contre, hein, vraiment. Hein. Et là, dedans, on a quoi? Localisateur GPS. Ça nous permet de placer des points, je pense. Je pense que ça nous permet de placer des points. Là, on a à manger encore. Ok. Écoutez, de toute façon, avec conserve, on peut faire quoi? Aliment pour chat. Mais on peut pas... Attendez. Ah non, on peut pas l'équiper, d'accord. Je me suis dit, peut-être sur un malentendu. Bon. On essaye des stratégies, hein. Mais là, ça m'embête parce qu'on va pas pouvoir boire. Et ça, c'est très embêtant. C'est très 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 embêtant, vraiment. C'est vraiment magnifique, je suis en train un petit peu de pas trop explorer encore suffisamment loin, mais voir un petit peu les alentours. C'est vrai que ça aurait été plus intelligent, entre guillemets, de s'installer vers là, parce qu'on a de l'eau, mais on est quand même vachement à découvert, quoi. Ici, on est vachement à découvert. Par contre, c'est vrai, on a quand même pas vu au milieu de l'eau ce qu'il y avait. Ah bah non, c'est bon, il n'y a plus le point. Le point a disparu. Mais il y a toujours le point vert là-haut alors qu'on y était, je crois. Ok, en fait, donc le point vert, c'était bel et bien là-bas, le radeau. Très bien. Très sympa. Bon, au moins, on sait qu'on doit aller sur les points verts à chaque fois pour continuer l'émission. Donc moi, ce que je suggère, c'est que dans le prochain épisode, on aille au point vert là-bas.
Sauf si c'est le même point vert où on était tout à l'heure. Et si c'est le cas, on est un petit peu idiot, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais c'est pas grave. Bon, là il est 13h, donc ça sert à rien de dormir. Mais là l'idée ce serait de dormir là pour boire ici. Mais si je dors là, je pense que je peux me faire embêter à tout moment. Terrible. Bon, j'ai déjà fait, mais... Terrible. Bon, les amis! Mais non, mais attendez, mais qu'est-ce que je fais? Je vais il faut absolument récupérer cette bâche. Il faut toujours l'avoir sur soi. Au moins une. Allô? Voilà. Au moins garder une bâche sur soi pour pouvoir justement se réinstaller n'importe où en cas de nécessité. Et notamment dans le prochain épisode. Puisque dans le prochain épisode, on va aller donc au point à l'objectif. Tout simplement. Voilà. Allez les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. On commence à se mettre bien. On commence à prendre en main le jeu. C'est le plus important. Et voilà, respecter un petit peu les guides de survie pour amener au mieux notre mission. Bon, là on s'est quand même construit un abri un peu inutile. Mais c'était pour le plaisir et pour voir les possibilités un petit peu qu'on a. Et je pense que ça valait le coup parce que bon, les trois premiers épisodes, c'est pas non plus les, en soi les plus importants quoi. Enfin, pour le début de l'aventure si, mais au moins voilà, on sait déjà, on a déjà de la nourriture. On a vraiment à peu près ce qu'il faut. Donc c'est plutôt pas mal. Là faut pas se dire que c'est notre base clairement. Ici c'est pas notre base, on connaît même pas encore la map. C'est juste notre petit camp du début qui fait toujours plaisir. Bref les amis, ce quatrième jour se termine, ce troisième épisode également. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode. A demain les amis, des bisous. Ciao tout le monde.